Oui, la particularité, vous savez, c'est comme on le faisait depuis qu'on est là. On se débrouillait à avoir euh, atteint les frontières scolaires pour les élèves de l'école. Et ce qui est, ce qui est fait aujourd'hui, ça a été une perpétuité parce qu'on avait dit que euh, respecter le slogan Ubite Djangate. c'est vrai que cette année, avec euh, la deuxième année de COVID, mais néanmoins, on s'est débrouillé à avoir le le, le, les fournitures scolaires depuis le, le 12. Et ces fournitures, comme je le rappelle, c'est destiné aux élèves de préscolaire et aux élèves de l'élémentaire, toutes les écoles. Et ça, nous remercions également les enseignants par rapport aux résultats faits l'année passée et nos pensées pieux aussi envers le président du codec, M. Sow, qui nous a quittés, qui quittés l'année passée. C'est quelqu'un qui s'est donné à fond dans le fonctionnement du codec, dans l'encadrement euh, des enseignants. Pour de bons résultats. Et nous présentons ici nos condoléances à toute la famille scolaire pour son départ et qu'on prie que Dieu l'accueille dans son paradis. Maintenant, pour le reste, c'est encourager les uns et les autres à redoubler d'efforts pour maintenir le cap du résultat de la commune de Niasia. Nous sommes très satisfaits des résultats et nous ne ménagerons aucun effort pour continuer euh, d'accompagner le codec pour réussir cette euh, mission-là. Les fournitures sont évaluées avec un peu la charité, donc à environ 7 500 000 pour euh, cette année, avec un peu la hausse des prix. Donc on, on est obligé, c'est un peu sensible. Euh, Égale au don de l'année dernière, mais avec la situation de Covid, l'enveloppe a été augmentée à environ 7,5 millions. C'est le maire. Autre particularité, c'est un peu ce qui s'est passé dans la zone avec l'intervention de l'armée en parlant de sécurisation. Est-ce que ça va impacter l'éducation Est-ce que vous envisagez justement de travailler pour le retour des populations, mais également réouvrir les écoles qui étaient abandonnées Oui, ça, comme vous l'avez dit, on a puis euh, faire une réunion de, de situation. Et les villages sont en train de se mobiliser pour le retour, mais il y a déjà le village de Bazere qui est là depuis l'année dernière. Et avec l'IA et il est retenu d'ouvrir l'école de Bazere cette année. Donc, c'est ça un peu la particularité. Et cela, comme vous l'avez dit, c'est au bénéfice des travaux euh, faits par euh, l'armée sénégalaise dans le cadre du ratissage qu'ils ont eu à faire ces, ces derniers mois avant la circoncision du Bayot. Pour on, Ou, oui, aujourd'hui, il y a, y a, y a, y a Bouniac qui a déjà fait un congrès, il y a Badem qui a fait un congrès, il y a Mahmoud aussi qui est en train de bouger. Donc aujourd'hui, comme vous savez, euh, Bouniac a quitté avec six, euh, six classes, une école de six classes, également à Badem. Donc, si ces populations se mobilisent pour le retour, forcément, et il va s'en suivre que les écoles-là seront réouvertes. Mais pour cette année, 2021-2022, l'école de base est est déjà sur le point d'être réouverte pour que les enfants, parce que c'est un peu distant de Ignacia, donc les enfants ne pourront pas chaque fois faire les allers-retours. Donc euh, l'inspecteur euh, d'académie et l'IEF ont pris toutes les dispositions pour que euh, cette école-là soit réouverte. Et également remercier au passage le sous-préfet qui a appuyé pour que la fondation Sonatel puisse intervenir à ce niveau pour des salles de classe. C'est même un plaidoyer pour en tout cas une accélération de la cadence par rapport au retour des populations des villages qui ont été dépollués tout dernièrement Oui, oui c'est vrai qu'il y a le ratissage, mais pour le retour de ces populations, on n'oblige on, on pas les gens à repartir. Donc c'est un retour volontaire. Les gens sont en train de se préparer, mais il y a un minimum, comme je l'ai dit, au CDD préparatoire. J'ai dit qu'il faut forcément... Des actions que l'État doit mener avec ses partenaires pour que ces populations puissent repartir. Ces actions, c'est quoi C'est le déminage humanitaire. Même si on ne voit pas les mines, mais c'est des zones susceptibles d'être minées. Donc il faut forcément des actions en un mois pour que les populations puissent repartir. Et nous lançons l'appel à l'État et aux partenaires pour que ce déminage humanitaire soit vite programmé pour que les populations. Parce que les populations tiennent à repartir avant le juin prochain. por ao menos demarcar a hibernação. Ti olou